Amen. Alléluia. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Merci beaucoup pour ce moment d'échange. Merci pour cette culte de famille. Merci pour cette magnifique chaleur que tu nous donnes. Et même au milieu de toutes les occupations et au milieu de tous les programmes que nous avons enchaînés, nous avons trouvé un petit temps pour venir ensemble prier et partager en commun le pain de vie qui est capable de pousser, est capable de créer en nous de nouvelles vies et créer en nous encore de force. Donc, nous avons besoin maintenant plus que jamais. Merci de nous avoir fortifiés par ta parole et par ta présence. Makushe Romasa Tamakande Libiasa. Seigneur, c'est dans notre prière que nous soyons fortifiés selon Somme chapitre 84. Que chacun de nous sera fortifié pendant que nous nous présentons devant Sion, que nous soyons fortifiés davantage au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur d'avoir changé notre vie avec une parole encore de plus au nom puissant de Jésus. Amen. Well, les amis, que Dieu vous bénisse. Ça fait du bien de vous voir tous une fois encore. Et c'est vraiment un magnifique plaisir pour moi, et un très grand marque d'humilité, que à chaque fois que nous vous appelons pour partager ce que nous avons appris et partager des bonnes choses avec vous, vous êtes toujours connectés. Ça me fait énormément du bien de voir à quel point vous êtes restés humbles depuis de nombreuses années et restés attachés tout le temps à notre appel. Amen. Nous avons eu tellement de témoignages depuis la dernière culte de famille. Je me souviens que j'étais en France, en train de quitter Tours pour aller à Nantes, je crois. Et c'était vraiment, vraiment un épisode. C'était vraiment un épisode très touchant, très touchant. Et il y a des témoignages en particulier que je voulais partager avec vous. Il y a pasteur Evelyne qui a un témoignage et je pense que nous devons écouter ce témoignage parce que juste après ça, j'ai encore quelque chose à partager avec vous. Et il est important que nous écoutons ce genre de témoignage. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez aussi eu vos nombreuses expériences, n'est-ce pas? Mais un témoignage nous donne encore la vigueur, ça nous donne encore... ça nous encourage, ça nous donne la confiance que ce que nous sommes en train d'écouter, ce sont des bonnes choses, ce sont des choses qui sont réelles. Et plus qu'important, ça nous fortifie encore de prendre attention. La Bible dit, quand tu vois à chaque fois le mot répété, en vérité, ça veut dire fais attention à ça. Alléluia. Alors, quand une parole est prêchée et il y a un témoignage qui vient tout de suite à travers la parole, ça veut dire que c'est quelque chose dont vous devrez faire attention. Et cette vidéo est encore sur YouTube. La clé pour la multiplication, c'est toujours sur YouTube, sur Reverend Benedictus Anan, n'est-ce pas? YouTube, Reverend Benedictus Anan, Benidag Anan, Reverend Benidag Anan, YouTube. Tu peux trouver cette vidéo là-bas. Peut-être que tu n'as pas participé à notre dernier culte de famille, mais si tu as l'opportunité, écoutez ça parce qu'on a écouté. J'avais partagé pendant ces cultes la clé pour la multiplication. Comment avoir beaucoup de quelque chose. C'est-à-dire, peu importe ce que tu as, si ce n'est pas suffisant et tu veux avoir beaucoup de ça, exactement ce que tu dois faire. Alors, regardez, il y a pasteur Evelyne qui est connecté. Amen. Il y a pasteur Evelyne qui est connecté. Alléluia. Voir les témoignages venant de pasteur Evelyne. Je bénis le Seigneur, je veux dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il m'a fait de vous rencontrer. Franchement, ça fait pratiquement un an que je vous ai rencontré et vraiment chaque fois qu'on se voit, que j'assiste, que ce soit à Poymen Academy, que ce soit aux réunions de famille, je reçois une clé. Et donc, la dernière fois qu'on avait eu la réunion de famille, vous avez dit qu'on devrait vraiment dire merci à nos assistants, à ceux avec qui on travaille. C'est ainsi que, même quand on a fini, le lendemain vers 5 heures du matin, j'ai fait des messages. Pour d'autres, c'était des notes vocales. Pour d'autres, c'était des textos que j'ai fait à chacun pour leur dire vraiment merci. Comme vous l'avez dit, merci de tout mon cœur. Merci parce qu'ils sont là. Vraiment, j'ai dit merci à tout le monde
pour l'œuvre qu'ils accomplissent auprès de moi. Je n'ai pas fait de remontrance à qui que ce soit. Je leur ai dit merci. Et j'ai signifié qu'ils avaient de la valeur à mes yeux. Vraiment, je leur ai dit merci pour les sacrifices qu'ils font pour le ministère, pour moi, parce qu'ils me supportent tel que je suis, tel que papa l'a demandé en tout cas. Et quand j'ai fini, vraiment, presque tout le monde même qui a reçu le message, tout le monde a pleuré. Tout le monde a pleuré. Il y a même un papa qui me disait qu'il pensait qu'il était rien. Il pensait que tout ce qu'il faisait là, Dieu ne voyait pas. Il pensait que ce qu'il faisait était inutile. Mais quand il a reçu mon message, il a vu que vraiment, il a de la valeur aux yeux de Dieu, que son travail n'est pas inutile. Donc, il s'applique encore maintenant. Aujourd'hui, il est devenu l'un de nos défenseurs. Il est appliqué encore, même toute sa famille est appliquée. J'ai ma petite soeur qui travaille auprès de moi qui disait que elle pensait qu'elle le faisait simplement, mais elle ne savait pas que ça me touchait. Chaque acte qu'elle posait à mon égard, elle ne savait pas que ça me touchait, que vraiment elle est dépassée par les mots que je lui ai adressés. Elle ne pensait pas que cela pouvait arriver. Elle n'a jamais pensé que ce qu'elle faisait pouvait avoir une répercussion sur l'Église. Mais elle était tellement touchée. Elle a pleuré jusqu'à rentrer dans ma chambre, venir s'agenouiller pour dire merci. Vraiment, tous les assistants, il y a une même, elle disait qu'elle voulait arrêter tout. Parce qu'elle disait que tout ce qu'elle faisait là, vraiment, ça, c'était pas ce que Dieu voulait. Même elle était prête à arrêter avec la vie chrétienne. Parce qu'elle se disait que Dieu ne voyait pas ce qu'elle faisait. Mais au travers de mon message que je lui ai envoyé, elle a vu que Dieu la considère, Dieu considère ses œuvres. Vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de papa. Je veux bénir le nom du Seigneur pour cette bénédiction qu'il est pour nous. Vraiment, ça m'a tellement fait du bien. Et moi-même, ça a ouvert mes yeux sur le fait qu'on ne reconnaît pas suffisamment les efforts de nos assistants. Et ça fait que souvent, ça les refroidit. Mais je vous assure, aujourd'hui, ils sont impliqués. Aujourd'hui, quand je les appelle, ils sont disponibles, ils sont disposés. Et je veux dire un grand merci à Dieu pour la vie de papa. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci pour sa disponibilité parce qu'il garde pas tous ses secrets pour lui. Il est toujours prêt à les libérer pour qu'on puisse aller de l'avant avec Dieu. Papa, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute l'équipe qui travaille avec vous et que sa grâce surabonde encore qu'en 2024, que vous soyez encore plus performants, encore plus impactants pour la gloire de Jésus. Merci beaucoup, papa. Merci, maman. Merci pour tout ce que vous faites. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Wow. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? On peut acclamer très fort pour cette magnifique témoignage. Quand Pasteur Evelyne m'a envoyé ce témoignage, ça m'a vraiment encouragé. Et puis, elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. On a eu plusieurs d'autres témoignages aussi qui sont venus pour dire que la Bible, la parole de Dieu est tellement vraie. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vraie. Et comme Christ a dit à ses disciples, dit, vous êtes bénis pour vous. Vous êtes bénis pour vous que vous les mettez en pratique. N'est-ce pas? Jean chapitre 13, il dit, vous êtes bénis pour vous que vous les mettez en pratique. Alors, beaucoup de choses que nous attendons, nous devrons l'appliquer tout de suite. N'est-ce pas? Tout de suite, tout de suite. Le mardi passé, sur iTrain International, et cette vidéo aussi est sur YouTube. Je vais vraiment recommander cette vidéo à tout le monde. J'avais partagé avec la communauté internationale pourquoi certains bergers échouent, pourquoi certains pasteurs échouent dans leur travail, pourquoi. Il y a une raison pour tout. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes échouent. Alors, et l'une des raisons, c'est le mot aussitôt. Vous allez découvrir la différence entre celui qui reçoit et celui qui a la réussite et celui qui échoue, n'est-ce pas? Donc, je vais recommander ça. Mais le plus vite que vous mettez une parole et une sagesse donnée par Dieu, par la prédication de la parole en marche, le plus vite que vous avez le résultat. Et vous allez remarquer, l'exemple, c'est dans Matthieu chapitre 25, où la Bible nous parle de les trois serviteurs qui avaient reçu les biens de leur Seigneur. La Bible dit que le premier, aussitôt que son maître est parti, il s'en fait valoir et il a gagné cinq autres. La Bible dit que la deuxième aussi a fait la même chose. Le troisième, lui, n'a pas travaillé aussi tôt.
Il est allé chercher, de même c'est lui qui avait reçu les deux talents, a gagné la même. Mais si tu remontes encore, dit, c'est lui qui a gagné les cinq talents. Aussitôt, c'est lui qui avait, regarde le mot, aussitôt. Ça c'est le mot, ça c'est la clé. Aussitôt, 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 aussitôt. D'accord? Donc c'est une clé majeure qui met en distinction ce qui devient grand et ce qui ne devient pas grand. Ce qui avance et ce qui n'avance pas, ce qui réussit et ce qui ne réussit pas. Et la clé maîtresse ici, c'est aussitôt. Alors, je vais vraiment vous encourager, tous ces vidéos sont sur YouTube, écoutez-les. Mais aujourd'hui, pendant ces très courtes minutes, les 30-35 minutes, le Seigneur m'a donné une révélation et je vais partager cette révélation avec vous pendant que nous venons vers la fin de l'année. Quelqu'un a demandé, c'est quoi un culte de famille. Un culte de famille, en fait, l'histoire du culte de famille est venue parce qu'à un moment, on a remarqué que même les citernes de carburant, là, on met carburant dedans. Un jour, je suis allé à la station et je remarquais qu'il y avait trois citernes de carburant qui transportent carburant pour le nord. Mais ils sont venus aussi prendre carburant. Mais je me suis dit, ah, mais toi, tu transportes carburant. Tu cherches carburant pourquoi? Tu cherches carburant pourquoi? Toi, tu transportes carburant. Les gens qui sont au nord sont en train d'attendre les carburants qui sont à toi. Alors pourquoi tu es venu bloquer nous qui ne transportons pas camion, on a bagages, on a des choses, on est en train de voyager. C'est toi qui as pris la place. Et puis il est resté longtemps. Hein. Ils ont fait à peu près 30 minutes, 35 minutes en train de prendre camion. Il a rempli tous ses réservoirs. Mais je me dis, ah, mais si tel aussi des carburants, apparemment, le système des carburants n'utilise pas les carburants que lui-même il transporte. Les carburants qu'il transporte, c'est pour les autres. Mais lui-même, il doit arrêter quelque part pour prendre carburant pour lui-même. Il prend le carburant pour lui-même. You know? Alors, on a compris que ça arrive aussi à nous, les hommes de Dieu, que en fait, nous pensons que l'onction que nous portons, c'est pour nous. Ce n'est pas pour nous. Hein? On nous a remis les biens. La Bible dit, béni soit ses serviteurs. Donc, quand son maître viendra, il va lui trouver en faisant ainsi. Fait quoi? Qu'il donne la nourriture à ses frères en leur saison. Donc, tu comprends, les amis, que la nourriture qu'on nous a donnée, ce n'est pas pour nous, c'est pour les amis, c'est pour les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Mais toi aussi, tu as besoin de carburant. Sinon, tu transportes, tu es un citerne de carburant, tu transportes carburant, mais tu vas garer sur la route, tu vas garer dans la brousse et tu n'arrives pas à arriver où tu dois arriver pour donner le carburant que tu as avec aux autres parce que toi-même, là, il manque carburant sur toi. Alors, c'est à cause de ça que nous avons démarré le culte des familles pour que nous qui sommes ici, les nombreuses citernes de carburant, gasoil, essence, kérosine, qui sont ici connectées via Zoom aujourd'hui, que nous puissions aussi prendre un peu de carburant, non même pour encore avancer sur la route. C'est le but du culte des familles, ce n'est pas pour enseigner comment faire église, non. C'est pour parler à nous les pasteurs, parce que aussi en tant que pasteurs, nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu pour nous-mêmes, pour nous-mêmes. Alléluia. Tu es aussi brebis, tu es aussi chrétien. Amen. Donc, le but de cette réunion de famille, c'est pour qu'on puisse venir ensemble de temps en temps, prier ensemble, n'est-ce pas? Passer des moments chaleureux en prière et puis recevoir des carburants chacun de nous afin que nous pouvons avancer encore. Et maintenant, plus que jamais, je ne sais pas si ça t'arrive, mais puisque nous arrivons vers la fin de l'année, je me sens vraiment fatigué. Les amis, je ne sais pas, je me sens vraiment fatigué. C'est-à-dire que j'ai annulé beaucoup de mes programmes, hein. Mais même quand je dors, je me réveille, je me sens encore fatigué. Amis, aujourd'hui, quand je dois aller quelque part, dès que je prends le micro, 30 minutes déjà, j'ai pris le micro, je suis fatigué. C'est-à-dire que quand j'écris même dans le micro, je sens la douleur à l'intérieur de mes ossements. Je sens la douleur venir de l'intérieur de moi. Je sens que vraiment, 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 c'est vrai, en fait, on a abusé le corps. C'est vrai, cette année, vraiment, ce qu'on appelle maltraitance du corps, là. Je pense que j'ai un PhD à l'intérieur de maltraitance. Parce que, à tout à l'heure, je prends la route pour Abidjan, pour un culte spécial avec l'église Vase d'honneur à Benjaville, l'église de notre feu pasteur Bru, Jonas. Donc, c'est sa femme maintenant qui gère l'église, pasteur Rosalia Graciela. Et je veux passer, j'ai commencé l'année avec eux pour ouvrir l'année et malheureusement, il y a des choses qui se sont passées. Mais l'église est bien rétablie, l'église est toujours à marche. Alors, ils m'ont invité de clôturer l'année. C'est-à-dire que
Même pendant, avant de quitter ici pour aller là-bas, là, je sens déjà que je suis fatigué. Je sens déjà à l'intérieur de moi que je suis fatigué. Donc, c'est vrai que nous sommes venus ensemble et tout, mais pendant que nous partons vers la fin, tu sens une certaine fatigue. Entre-temps, pour comme pasteur Aker était en train de nous expliquer à tout à l'heure, pour un avion là, c'est quand il va vers la fin de la piste de l'avion qu'il bouge encore plus vite. C'est quand l'avion va vers la fin même qu'il monte encore plus vite. Alors, j'ai prié par la puissance du Saint-Esprit que ce court moment que nous sommes en train de passer ensemble, que ça te donne la vigueur que tu as besoin, c'est que ça te donne la force que tu as besoin. Il reste 15 jours pour finir avec cette année 2023. Et je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tu reçois la force nécessaire pour décoller. Tu vas décoller la prochaine fois que tu vas atterrir avec force et avec bonne nouvelle dans l'année 2024. Au nom puissant de Jésus, reçois une force incroyable. Comme quelqu'un qui vient de commencer une jeûne et qui vient de finir avec une jeûne de prière, et que c'est quelqu'un qui vient d'une retraite spirituelle, quelqu'un qui s'est reposé pendant un mois. C'est vrai que tu as fait une année très fatigante, mais recevoir la force maintenant pour décoller, c'est un décollage pour traverser cette année de 2023 et rentrer dans l'année 2024 avec force et grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, pendant ces juste quelques minutes, 20 minutes, 25 minutes qui nous restent, je vais partager avec vous la prééminence. Le Seigneur a partagé quelque chose avec moi et je voulais partager avec vous aussi parce que, en fait, c'est la réalité de notre vie chrétienne et spirituelle en tant que le berger. Plus que tu partages ce que Dieu te donne, plus qu'il te donne. C'est lui qui fait valoir avec ce qu'on lui donne, il reçoit deux. Tu as travaillé avec deux, tu gagnes deux autres. Tu travailles avec cinq, tu gagnes cinq autres. Quand tu casses ce qu'on t'a donné, tu gagnes absolument rien. On retire même ce que tu as caché. Alléluia. Alors, je vais partager avec vous la clé pour la prééminence. La fois passée, on a parlé de la clé pour la multiplication. Maintenant, je vais te donner une clé maîtresse pour la prééminence. Une clé maîtresse pour la prééminence. Maintenant, je ne sais pas si Benjamin va nous montrer la définition. Parce que juste à tout à l'heure, avant de commencer l'émission, on était en train de regarder la définition dictionnaire de le mot prééminence. Tous les mots, regarde quelque chose de fantastique. Regarde ce que le dictionnaire dit par rapport à la prééminence, le mot prééminence. Amen. Il dit ceci. Is it ready? Can I see? OK. Regardez, la prééminence. Oh, c'est trop petit, je ne vois pas, mon gars. Comment tu peux faire ça? OK. Yeah. La supériorité absolue de ce qui est au premier rang. C'est-à-dire qu'on parle de la prééminence, on est en train de parler de la supériorité absolue de ce qui est au premier rang. Donner la prééminence à quelque chose, n'est-ce pas? La supériorité absolue de ce qui est au premier rang. La supériorité absolue, hein? Supérieur absolu de rang en dignité, en droit et en degré. Premier rang, n'est-ce pas, absolu, premier rang en dignité, en droit, hein, de droit et de droiture. Magnifique. Maintenant, regardez ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la prééminence? En Genèse chapitre 49, verset 1 à 7. On ne va pas arriver à 7, on va arriver sur verset 3, verset 4. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, Jacob appelait ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce que vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Verset 3. Regarde ce que la Bible dit. Verset 3. Reuben, toi, mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Regarde la version, la Bible du Semeur. La Bible du Semeur le met encore d'une façon très intéressante. Le verset 3, il dit, Reuben, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur, du temps où j'étais plein de force, numéro 1. Supérieur en dignité, supérieur en force. Et puis il dit, impétueux comme l'eau,
N'est-ce pas? Qu'est-ce que KJV? What does KJV say? KJF, what does KJF say? Regardez, il dit bouillant comme de l'eau, n'est-ce pas? Bouillant comme de l'eau. Amen. Je peux voir. Yes. Instable comme l'eau. Regarde. Et instable comme l'eau. Tu n'accéléreras pas. Instable comme l'eau. Tu n'accéléreras pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que stable comme une pierre, tu accéléreras. Instable comme l'eau, tu n'accéléreras pas. Stable comme une pierre, tu accéléreras. Donc, tu vois, les amis, Dieu merci que la Bible est tellement explicite que la Bible ne nous cache rien. La Bible nous dit le bon, le mauvais et l'aide. Yeah, la Bible nous dit tout. La Bible nous raconte la réussite des les grands et il nous raconte aussi l'échec des les grands. La Bible est tellement explicite en tout. Les amis, l'une des choses que nous avons appris hein, cette année, si tu me demandes, la conférence dont je vais à Abidjan sera les 40e conférence. How many conferences to the end of this year? This weekend one will be what? Hein? Into tomorrow? Y compris demain? 119, n'est-ce pas? 119 conférences. Tu peux imaginer, ça fait 119 fois que je voyage. 119 différents endroits où je me suis tenu pour prêcher. 119 conférences dans une seule année. L'année passée, on a fait à peu près, je pense, 72. Mais cette année, on a fait 119. Les amis, s'il y a 52 semaines dans l'année, imaginez. S'il y a 52 semaines dans l'année, alors moi, j'ai voyagé combien de fois dans une semaine? Même si j'ai fait 2 conférences par semaine, ça c'est 104, n'est-ce pas? Mais j'ai fait 119. Donc, fais les calculs. Les amis, en fait, alors, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que il y a une explication pour toute chose. Les gars, les amis, écoutez-moi très bien, j'ai dit. Il y a une explication pour toute chose. Il y a quelques années passées, j'étais diagnostiqué avec insuffisance rénale. Mon rein ne fonctionnait pas. J'étais dans la même salle avec beaucoup de vieilles personnes qui étaient malades. Chaque matin, quelqu'un meurt. 24 cas d'insuffisance rénale. Décembre 22 2008, je suis la seule personne qui est vivante aujourd'hui. J'avais laissé une personne à l'hôpital. À mon retour pour aller faire le contrôle, la personne est décédée. J'ai passé décembre 22 2008 jusqu'à la première semaine de mars 2009 à l'hôpital. Yeah. Mais non, quand j'étais admise à l'hôpital, à chaque fois, parce que c'était un hôpital universitaire, le professeur, le plus grand professeur et docteur, venait avec les étudiants. Et il prend le cas de chaque patient, toute personne qui est malade. Et puis, il pose la question, par exemple, aux étudiants, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Quelles sont les causes? C'est-à-dire que nous qui sommes allongés, qui sommes en train de mourir là, nous sommes les examens. Tu peux imaginer, nous sommes les examens. Donc, des fois, même la nuit, quand on est en train de dormir, les étudiants quittent 20 tôt pour étudier et puis ils nous font des tests, ouvrir notre bouche. En fait, moi, je les détestais. Ils peuvent venir à 3h du matin quand le sommeil est doux là. Et puis, ils viennent te réveiller, ils mettent ton thermomètre dans ta bouche, ils ouvrent ta langue, ils disent « Ah !» Il va partir là, il y a un autre qui va venir dire « Ah !» Et puis, look, à un moment, ça m'énervait. Mais tu vois, l'une des choses que j'avais remarquées, quand il arrive à mon cas, c'était toujours différent. Pourquoi? Parce que on a posé l'étudiant une question. Quelles sont les causes d'insuffisance rénale? Et ils ont donné la raison. Mais non, parmi toutes les raisons qu'ils ont données là, il n'y a aucune explication juridique, légale, morale et intelligible. Donc, quelqu'un comme moi, à mon âge, devrait être allongé à l'hôpital. Il n'y a aucune explication. Parce que toutes les raisons qu'ils ont données, je ne tombe pas à l'intérieur.
Il pose la question, est-ce que tu fais des femmes? J'ai dit, non, j'avais un bien-aimé à l'époque. Je suis resté avec la même personne pendant 4 ans. Je n'ai pas, je fais pas de femmes. Je bois pas l'alcool. Je suis un jeune homme au milieu de mes amis. J'avais, je pense, 22 ou 23 ans à l'université. N'est-ce pas? Amis, je fais pas de femmes. Je bois pas l'alcool. Amis, est-ce que tu fais ceci? Je fais pas. Est-ce que tu as fait ceci? Je fais pas. Est-ce que tu as telle maladie? Je n'ai pas telle maladie. Est-ce qu'il y a maladie dans la famille? Je n'ai pas une maladie dans la famille. Est-ce que, il y a quelqu'un dans la famille qui a une insuffisance rénale? Je n'ai pas. Donc, à un moment, les gens posent, en fait, j'étais le cas le plus troublant à l'hôpital. J'étais le cas le plus troublant à l'hôpital parce que normalement, si quelque chose t'est arrivé, il y a une explication. Mais pour moi, là, il n'y avait pas une explication pour la raison pour laquelle je suis allongé à l'hôpital. Donc, les médecins, ils ont essayé tout. Ils ont tout fait. Tout fait parce que tout ce qu'ils essayent pour voir qu'est-ce qui cause ces choses-là. Jusqu'à ce qu'on a demandé à ma maman de venir faire test, mon papa de venir faire test, de voir mes tantes, certains qui peuvent venir faire test, juste pour découvrir il y a quoi en fait qui peut amener un jeune homme à s'allonger à l'hôpital, qui ne fait pas femme, qui ne boit pas, qui n'est pas dans les choses de sexualité et impudicité, qu'est-ce qu'il fume pas, qu'est-ce qui l'amène à s'allonger ici. Mais tu vois, finalement, à un moment, quand j'ai commencé ma restauration, quand Dieu m'avait guéri, j'ai compris en fait, parce que quand ils posaient des questions, ils ont posé des questions par rapport à l'alcool. La question qu'il n'a pas posée, c'est que, est-ce qu'il y a une boisson que tu bois beaucoup? Parce que le travail de l'urène, c'est purifier ton sang. N'est-ce pas? Donc, si tu les fatigues, parce que ils m'ont expliqué, le professeur m'a dit que l'urine est comme la mer. Il est capable de recycler tout ce qui est dans ton corps. Mais quand il reçoit trop de charges, c'est comme tu as mis trop des habits à l'intérieur d'un washing machine, une machine à lavage. Quand tu mets trop des habits, tu vas casser le machine, pas parce que le machine ne travaille pas, mais parce que tu l'as mis trop de charges, plus que sa capacité. Donc, il pète les câbles et puis ça commence à fumer. Mais ce n'est pas parce que la personne est mauvaise, ce n'est pas parce que le machine ne marche pas, c'est parce que tu as mis trop de charges sur cette machine. Donc, la question qu'ils devaient me poser, parce qu'ils ont posé question sur alcool, ils ont posé question sur femmes. Ils ont posé question sur si je prends des drogues, si je prends l'injection, si il y a des maladies. Mais ils n'ont pas posé question. Tu vois, je prends pas alcool, mais je prenais coca. Hey, il y a personne qui boit coca dans toute l'université plus que moi. C'est-à-dire que le gros bouteille 1,5 litre là, je peux boire 3 par jour. En fait, je me souviens même que le jour où j'avais tombé malade, le jour du 22, là, c'était 21, mardi le 21, j'étais avec mon petit frère Richard. J'ai envoyé Richard pour aller chercher Wache. Wache, c'est le riz avec haricots. C'est la nourriture préférée des Ghanéens. Le riz avec haricots, avec piment dessus, œufs et poisson aussi dessus. Et puis un peu de spaghetti à côté. Et puis il y a gari à côté comme ça. Mouah! Donc, quand tu vas venir au Ghana, l'année prochaine, je ne sais pas si vous avez déjà bloqué votre première semaine de août. Parce qu'on s'en va au Ghana et je vais vous servir Wache. Vous devrez manger Wache quand on va pour Don Toi tout entier 2024. Mais je vous assure que Richard est parti acheter Wache. On a partagé cette repas ensemble. Et puis, avant de venir, je lui avais demandé d'acheter coca. Donc, il a acheté bouteille de coca, là, en bouteille. Et j'ai bu tout. Pendant que je buvais, là, il me regardait. Il me regardait et puis il avalait sa livre. Donc, à un moment, j'ai dit, tu veux? Il dit, oui. Donc, le petit qui reste en bas, là, je lui avais passé. Il faut voir la vitesse avec lequel il a bu. Go, 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 et puis c'est fini. C'est-à-dire que je bois coca sans... J'ai dit, les amis, écoute-moi, j'ai dit, il y a explication pour tout. Il y a une explication pour tout. Il n'y a rien qui devient rien sans rien. Il n'y a rien qui devient rien sans rien. Donc, tu vois, ils ne m'ont pas posé question sur coca, ils m'ont posé question sur alcool. Donc, je ne bois pas alcool, mais coca. Donc, sûrement à un moment,
mon reine a su fermer parce que il ne pouvait pas faire le recyclage de mon sang plus vite que la charge que je lui donnais. N'est-ce pas? Donc, à un moment, trois mois après, le Seigneur m'a guéri mystérieusement par sa puissance et par sa présence. Je me suis rétabli, n'est-ce pas? Mais je suis en train de dire que, tu vois que les médecins étaient perturbés parce qu'ils n'arrivaient pas à découvrir la cause de ma situation. C'est bien après, quand j'étais restitué là, que j'ai compris moi-même. Je n'ai dit à personne. Hein. Aujourd'hui, j'avoue que je n'ai dit à personne, mais j'ai moi-même là. Quand il m'a expliqué, j'ai compris exactement ce qui m'a causé la maladie. J'ai compris. Il n'y a rien qui devient rien sans rien. Quand tu vois un pasteur qui n'arrive, regarde les bénédictions qui sont dans la Bible, qui nous dit que vous devez être la tête et pas la queue. Vous devez être la tête et pas la queue. Vous devez être en haut et pas en bas. Qu'est-ce qui fait qu'un serviteur de Dieu n'est pas en haut? Aujourd'hui, quand nous sommes ensemble, on fait conférence. Dans quelques jours, il y aura la conférence des Church Growth Camp, n'est-ce pas? Les gens sont en train de venir de partout. Le docteur Madjanja de Gabon est en train de venir, n'est-ce pas? Et il y a des amis qui sont en train de venir de la France, partout. Écoutez, on fait conférence aujourd'hui. Si les Nations Unies sont en train de faire conférence avec les représentants de chaque pays, il y a quel Mac va embellir l'endroit? Qu'est-ce qui sera le Mac? Il y a quoi qui va marquer le lieu de conférence? Tu verras de grosses voitures. Tu verras chaque personne va venir avec son cortège. Chaque personne va venir avec deux ou trois autres voitures, avec ses secrétaires, avec ses trésoriers, avec des personnes qui vont le soutenir. Aujourd'hui, nous, les hommes de Dieu, on fait conférence. On dirait des misérables, le honte misérable expression du ministère. Nous sommes une honte expression de notre Père céleste. Il n'y a rien sur nous qui sent l'odeur d'un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est riche, un Dieu qui est fort, un Dieu qui est glorieux. Nos églises ne sont pas jolies. Il n'y a pas autant de personnes. Nous ne sommes pas respectés. Dans la ville où nous sommes, on prend des décisions, on ne nous demande pas. Le maire ne te connaît pas. Le maire ne t'appelle pas pour que tu pries pour lui. Le maire ne t'appelle pas pour faire partie d'une réunion. Personne dans la ville t'invite pour consacrer et lancer l'ouverture d'un magasin. On ne te demande pas de verser. La dernière fois, j'ai entendu que quand il devait construire la cour suprême de Daloa, c'est le prophète Ouattara, mon ami prophète Ouattara, qui a été appelé par le maire pour verser huile sur les terrains et prier sur les terrains avant qu'ils ont commencé la construction. Dès que tu rentres en Daloa comme ça, c'est le plus grand bâtiment à la gauche. Yeah, tu vois, voici un prophète qui a eu la prééminence, premier rang en dignité et en première, au-dessus de tout, première. Et ça, c'est le lot de chaque homme de Dieu. Chacun de nous doit avoir la prééminence. Voici les dons que tu dois avoir. Les amis, je vais partager cette grâce avec vous pour que pendant que tu fais tes bagages pour 2023 et tu fermes tes valises pour 2023, tu rentres en 2024 avec cette clé pour ouvrir la porte de prééminence. Tu seras, écoute-moi très bien les amis, tu seras prééminent dans l'année 2024. Les gens vont connaître qui tu es. Les gens vont se prendre, ils vont te reconnaître. Ils vont se tenir debout quand tu vas rentrer dans la salle. Ils vont t'inviter pour des rendez-vous. Ils vont demander ton conseil. Ils vont chercher tes conseils. Ils vont te demander ton avis. Ils vont te demander les prières. Ils vont venir vers toi pour que tu pries sur leur business, sur leurs affaires. Que Dieu te donne la prééminence au nom puissant de Jésus. Et comment cela arrive? Voici Jacob en train de maudire son premier fils. Mais avant de le maudire, Jacob nous a donné une révélation. Il dit, toi que j'ai mis au monde quand j'avais plein de force. C'est-à-dire que quand tu lis le verset 3, il n'y a aucune raison pour laquelle quelqu'un comme Ruben devrait échouer dans la vie. Parce que numéro 1, papa ne l'a pas mis au monde quand lui, papa, était faible. On l'a mis au monde quand papa était fort. Ça veut dire que lui, il a connu la force de papa. Numéro 2, il dit, tu es supérieur en dignité, supérieur en force. C'est-à-dire que les autres là ne sont pas supérieurs. Tu vois clairement les cas de quelqu'un
qui avait tout prédisposé à lui de réussir dans la vie. Tu sais que des fois, les enfants des pasteurs ne deviennent pas pasteurs. Quelqu'un donc qui a été né dans une maison où il y a Shabalabalabalaba, Rotoko Samatamalu, Rutatatatata, maman est en train de parler en langue dans la cuisine, papa est en train de parler en langue dans la librairie, Rutakatakata. Look, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais des fois quand on entend que tu es enfant de pasteur, on dit enfant de pasteur, surtout si tu es fille, enfant de pasteur, fille, c'est que tu es gâtée. C'est l'enfant des pasteurs qui sont gâtés plus que tout le monde. Parce que tu vois, ça c'est le cas pareil en Genèse chapitre 49 de verset 3. Et supérieur en dignité, supérieur en force. Tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie sont là. Papa parle la langue, maman parle la langue. On t'amène à l'église. Il y a les opportunités pour servir à l'église. Il y a la Bible dans la maison. Il y a les livres de papa à la maison. C'est-à-dire que par toute indication, tu dois réussir. Les enfants des médecins deviennent médecins. Les enfants de pilotes souvent deviennent pilotes. Les enfants de politiciens, regarde bien. Les enfants de politiciens, eux aussi finissent de devenir professeurs. Pourquoi? Parce que les livres de papa sont là. Les instruments de papa sont là. Les choses de papa sont là. Mais les enfants des pasteurs ne deviennent pas pasteurs. Pourquoi? La même chose, tu vois, supérieur en dignité, supérieur en force. Quand tu regardes le verset 3, tu comprends que les amis, il n'y a aucune raison juridique, légale, morale, intelligible. Donc, Ruben devrait échouer dans la vie. Parce que papa l'a mis au monde quand il était fort. Il dit, c'est toi que j'ai mis au monde dans ma, il dit, le fruit de ma vigueur. Du temps où j'ai était plein de force. Quand j'étais vraiment riche, c'est là que je t'avais mis au monde. Je t'avais mis au monde quand j'étais vraiment riche. Beaucoup d'entre nous, nous sommes entourés par toutes les ressources pour réussir dans la vie. Vous avez le meilleur livre du monde pour faire avancer ton église. Vous avez l'art de leadership. Vous avez mariage modèle. Vous avez un bon général. Vous avez double église méga missionnaire. Vous avez méga church. Vous avez croissance d'église, c'est possible. Vous avez, c'est une chose formidable de servir l'Éternel. Vous avez, ne peux-tu pas faire un peu plus? Vous avez l'art de suivre. C'est-à-dire que vous avez amplifié votre ministère par les signes, prodiges, les miracles. Les amis, on a toutes les choses. Notre cas là, c'est comme Ruben. On nous a mis au monde dans la vigueur de fruits, dans les temps où il y a la force, il y a supériorité de dignité et supériorité de force. C'est-à-dire que tout ce que quelqu'un doit avoir pour réussir, on a ça. Regardez autour de nous. On a tout ce qu'il nous arrivera à avoir pour réussir dans la vie. Mais, exactement comme le cas de Ruben, on trouve un cas malheureux. Il dit, malgré le fait que tout ce que tu as besoin dans la vie est là pour réussir, il dit, tu ne vas pas réussir. Tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Parce que tu es instable. Les amis, si on me pose la question, qu'est-ce que tu as appris en Côte d'Ivoire depuis l'année 2023? Les amis, il ne faut pas me tenter pour entrer en 2022. Je vais juste rester en 2023. Si on me demande, qu'est-ce que tu as appris après avoir parcouru la francophonie? Parti en France, rencontrer des pasteurs en France, venir en Côte d'Ivoire, voyager dans les villages, dans la ville, dormir dans tous les grands hôtels du monde. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris que cette verset est tellement vrai que la raison pour laquelle beaucoup de pasteurs n'arrivent pas à atteindre les niveaux de prééminence, supériorité en rang, c'est-à-dire premier en rang au-dessus de tout le monde, c'est-à-dire que tu es, ton ministère est prééminent, ton ministère est pertinent, ton ministère est en haut, supérieur. Tout le monde lève sa tête pour te regarder. Makoro, Adari, Masamata, les amis, j'ai dit 2023 là, c'est cadeau. 2024, tu vas monter jusqu'à un niveau où tout le monde va lever la tête pour te regarder. J'ai dit, on va pas te regarder en bas, on va te regarder en haut. Reçois la prééminence au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que nous avons appris? J'ai appris, les amis, que s'il y a une explication pour la raison, pour la raison pour laquelle les pasteurs ne deviennent pas prééminents, c'est cette mot-là, instable comme de l'eau, instable comme l'eau. Beaucoup d'entre nous ne sont pas stables. L'instabilité, bouillant, impétueux, instable, bouillonnant,
brillante comme de l'eau. Tu n'auras pas la prééminence. La Bible nous explique la cause de manquer de prééminence. Jacob, par l'onction, vient d'expliquer à son fils qui a tous les éléments pour réussir dans la vie. Pourquoi il n'aura pas la prééminence? Il dit, parce que toi là, tu es bouillonnant, tu es impétueux, tu es instable. Les amis, quand on parle de ces choses-là, les gens pensent que la loyauté là, bon, c'est pour les brebis, c'est pour les membres de l'église, pour qu'ils restent dans nos églises. Mais nous, les pasteurs, nous-mêmes, on n'est pas stable. On n'est pas stable. Il y a combien d'années, quand j'ai fait réunion, la majorité des pasteurs qui va se connecter et qui boit chaque mot qui sort de ma bouche, qui me prend comme un Dieu, il me prend comme un Dieu, il me prend comme Dieu. C'est-à-dire que partout où je presse, ils sont là. Ils sont en train de regarder vidéo, ils sont en train de regarder audio. Ils écoutent mon audio dans leur taxi, ils écoutent audio dans la voiture. Aujourd'hui, ils ont voiture, aujourd'hui, ils ont voiture, ils ont église. L'église a grandi de 38 avec 18 enfants là. Maintenant, il y a au près 200 personnes. Ils ont des à atteint niveau de satisfaction. 200 personnes déjà, j'appelle réunion, ils ne viennent pas. Je suis connecté, ils ne viennent pas. Il y a iTunes, ils ne sont pas connectés. J'ai même la vidéo de iTunes, c'est gratuit. On a mis ça sur YouTube, ils n'ont pas regardé. Il y a messages qui sont sur Telegram, ils ne regardent pas. Je presse ici, ils ne sont pas là-bas, ils ne regardent pas. Tu vois que les amis, tu vois quelqu'un qui a commencé sa vie et tu vois que par toute indication, le chemin qu'il a pris là, il devrait réussir. Mais là, il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il est instable. Manquer de stabilité, manquer de rester connecté comme ça et de rester attaché comme tu as commencé. Les amis, l'histoire de loyauté, ce n'est pas l'histoire de nos enfants. Hein. C'est pour nous-mêmes. 80% de déloyauté, c'est la cause des pasteurs. C'est seulement quand que c'est seulement le temps que David a tué Uriah et il a pris Bathsheba, qu'il y a eu rébellion dans son royaume. Sinon, jusque-là, il n'y avait pas rébellion. Personne ne pouvait s'élever contre lui. Personne ne pouvait s'élever contre lui. Je vous pose la question. La façon dont tu as commencé maintenant à Point Men Academy, tu me suis. J'ai dit, fais ceci, tu fais. J'ai dit, changez ça, tu changes. J'ai dit, cassez ça et fais ça. J'ai dit, fermez. Et département d'évangélisation, tu as fermé ça, tu as ouvert ça, tu as commencé et les choses ont commencé à aller vers toi. Tu commences à m'envoyer offrande, tu commences à m'envoyer témoignage. Est-ce que tu peux rester comme ça pendant 5 ans? Est-ce qu'il est possible que tu restes connecté comme ça pendant 5 ans? Tu écoutes chaque message, je prêche quelque part. Tu regardes chaque vidéo, je suis en train de prêcher quelque part. Tu vas faire toutes les recommandations que je vais te recommander. Est-ce qu'il est possible que tu restes comme ça? Donc tu vois, on commence. Et quand ça, on commence à voir un peu de fruit, on pète les câbles, on déconnecte les câbles. Et puis on se aujourd'hui, c'est tellement triste. J'étais en train de parler avec mon ami pasteur Jati. Et je lui avais dit, il m'a dit qu'il était à une retraite, il priait pour moi. Alors j'ai dit à pasteur Jati, j'ai dit, je vais te donner la prière que tu dois prier pour moi. Il dit, arrête, ça va vraiment me faire du bien. Parce que des fois, quand je vais prier pour toi, je ne sais même pas quoi te demander. J'ai dit, quand tu vas prier, priez que Dieu me donne espoir. Il dit quoi? J'ai dit oui, priez que Dieu me donne espoir. Parce que je suis à deux pas d'abandonner. Je suis à deux pas de fermer mes bagages, prendre mes valises, dire à mon papa de me relocaliser dans un autre pays et de quitter la Côte d'Ivoire. Parce que la tristesse que je sens dans mon cœur, quand je vais sur Facebook et je vois, quand je vous ai dit, arrêtez de faire programme, arrêtez de faire, concentrez sur ton église, assieds-toi sur ton église, fermez, arrêtez pendant 3 ans, don't go, ne parte pas nulle part, assieds-toi sur ton église, fais des camps, j'ai dit, fais pas conférence, fais des camps, arrêtez de faire des genre de choses, fais des camps, fais des écoles de nuit. Vous savez déjà, quand tu as commencé et ça a commencé à grandir, pam, tu as arrêté. Instable comme de l'eau, tu n'auras pas la prééminence. Instable comme de l'eau, you will not prosper. Instable. 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 J'ai dit, les amis, il y a une explication pour toutes choses. Hein? Il y a explication. Il n'y a pas de maladie qui sort quelque part. Il n'y a pas d'explication. Quelqu'un a cancer, va vérifier. Sa maman a ça. Son papa a ça. Sa grand-mère a ça. Elle a fait quelque chose. Elle s'est exposée à quelque chose. Elle a couché avec quelqu'un. Elle a fait certaines. Il y a quelque chose qui est connecté avec ça. J'ai dit, il y a une explication. Quelqu'un a cancer cervical, il y a une explication. Va vérifier, il y a une explication. Il y a explication pour toutes choses. Quelqu'un qui a commencé à un niveau qui devrait avoir la prééminence, pourquoi il n'arrive pas là-bas? J'ai dit, il y a explication.
il y a explication. Et l'explication, c'est ce que je te dis. Instable. Ça, c'est l'une des vieilles malédictions dans la Bible. Par la grâce de Dieu, la source de cette malédiction nous a été révélée. Par la grâce de Dieu, la raison. Tu vois, il y a des personnes qui sont maudites et on ne nous explique pas. Par exemple, comme la malédiction d'Adam, Dieu a expliqué. Il dit, parce que tu as écouté ta femme. Il dit, parce que tu as écouté ta femme. Parce que tu as fait ceci. Donc, Dieu explique. Yeah. Il y a des malédictions dans la Bible, il n'y a pas d'explication. Mais cette malédiction de Jacob sur son premier fils aîné, il a mis au monde quand il était plein d'espoir, plein de force et riche. Force, il avait là. Il dit, tu es supérieur en dignité. Amis, les amis, regardez. Dans quel monde, quelqu'un qui est supérieur en dignité et supérieur aussi en force devrait échouer? Explique-moi, s'il vous plaît. Les amis, je vous pose question, explique-moi. Dans quel monde, quelqu'un qui est supérieur en dignité et supérieur en force devrait échouer? Dans quel monde? La dernière fois, j'ai vu quelqu'un a mis ça sur Facebook. Il dit, les gars, ceux qui avaient rank en classe depuis CP1 jusqu'à CM2 là, c'est comment? Est-ce que vous êtes devenus les astronautes déjà? Est-ce que vous êtes devenus les chirurgiens? Parce que normalement, tu vois, quand tu vois les enfants comme ça, on lui donne le prime de classe. Et tu vois, ami CM1 déjà, il est numéro 1, CM2, numéro 2, CE1, numéro 1, CE2, numéro 2. La projection, c'est que quelqu'un qui est supérieur comme ça, là, il doit finir comme un chef d'État président. Actuellement, là, ils sont en train de vendre à Adjamé. Il a un kiosque. Même pas magasin, il a un kiosque à Adjamé, il est en train de vendre soutien des femmes et chaussures des enfants. Hey. Il n'y a pas explication, dans toute preuve, supérieur en dignité et supérieur en force, tu dois réussir. Vous, les pasteurs qui sont connectés aujourd'hui en train de m'écouter, il n'y a pas pasteur plus connecté que vous. Vous êtes tous connectés directement à Bishop Dag. Certains d'entre vous ont pris des photos personnelles avec lui. Certains d'entre vous sont dans son conseil. C'est-à-dire que si tu veux parler avec Bishop Dax ce soir, tu peux parler avec lui. Tu es l'une des personnes les plus connectées dans le monde. Tu es supérieur en dignité. C'est pas fini. Il y a des pasteurs qui n'ont pas de livres. Ils n'ont pas de choses. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas quoi faire. Toi, l'information pour bâtir une grande église, tu as ça. C'est-à-dire que par toute indication, tu dois réussir. Mais aujourd'hui, on vous regarde. Vous faites des programmes et tu sais, tu penses qu'on ne voit pas. Quand vous faites programme, tu ne prends pas photo de derrière, tu prends photo à partir des milieux. Donc, on voit les têtes des gens et vous qui sont devant. Et on peut compter, on est expert. Hein? Il y a longtemps, à faire d'église, il y a longtemps, on fait. Quand on compte, on voit, il y a que 150 personnes, 120 personnes. Quelqu'un qui devait compter 1800 personnes, tu es en train de compter 120 personnes. Parce que tu es instable. Tu ne peux pas rester connecté comme ça. Ça veut dire que chaque matin, je regarde, j'écoute, je regarde. Il prêche quoi encore? Il est où encore? Je serai là-bas. Il a dit quoi? Je ne peux pas être là-bas. Est-ce que je peux avoir la vidéo? Est-ce que je peux avoir l'audio? Est-ce que je peux poser des questions? Est-ce que je peux l'appeler? La façon que tu as commencé, j'ai la même question pour toi. J'ai dit la façon que tu as commencé 2022, est-ce que c'est la même façon que tu es? Parce qu'aujourd'hui, Benny Dag Anan, toi qui disais que tu voulais fermer ton ministère et vendre ça, tu étais prête à abandonner le ministère. Aujourd'hui, tu as espoir. Je suis en train de parler, tu n'es pas connecté. C'est à 8h. Qui a conférence à 8h30? Mais tu vois, dans l'époque, quand tu étais petit dans tes yeux, et tu as perdu espoir, et tu cherchais qui va te relever, et j'étais là pour te donner un. Et tu étais tellement content, tu donnais tes témoignages. C'est où? Toute ta vigueur, toute ta force, et toute ton énergie, c'est seulement pour un an. Je ne savais pas que tout ce que tu voulais faire, c'est remplir une salle. Je ne savais pas. Si je savais, je n'allais pas investir autant. Parce que là, ta salle est remplie. Je pensais que tu voulais avoir 2000 membres. Je pensais que tu voulais voir 5000 personnes assises. Moi, je pensais que ce que vous voulez faire, c'est remplir l'église, mettre les bas sur la cour même de l'église et mettre les écrans. C'est ce que je pensais que tu voulais faire. Mais tu vois, j'ai dit, il y a une explication
pour manquer de prééminence. Quelqu'un qui a toutes les indications autour de lui qu'il doit réussir, mais il ne réussit pas parce qu'il n'est pas stable. Il se connecte. Dès qu'il voit évolution, il arrête. Aujourd'hui, quand tu commences même traitement des palus, tu vois que le premier 2 jours, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Premier jour, quand tu commences traitement des palus, c'est comme si tu veux mourir. C'est comme si le médicament même réveille le palu encore plus fort. Et le palu devient grave. Mais le deuxième jour, il y a un soulagement. Deuxième jour, comme ça, tu es tranquille. C'est-à-dire que ton appétit commence à venir, tu commences à transpirer, il y a un peu de force. Et c'est ici le piège. C'est ici le piège. Parce que tu te sens un peu fort, tu oublies le plan des médicaments le troisième jour. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas aller 2 semaines, le palu va te gifler encore. Cette fois-ci, c'est à l'hôpital, tu vas aller dormir. Hier, j'ai vu la photo d'un ami qui faisait partie de cette famille. Je te parle de quelqu'un qui prend sa voiture juste pour venir me parler. Il voyage, je ne vais pas citer le nom de la ville, mais il peut voyager pendant 8 heures. Il vient s'asseoir pour poser question et puis il fait des notes. Quand je parle, il fait des notes comme ça, il écrit. Et puis son église a commencé à grandir. Ses fils ont commencé à lui honorer. Les choses ont commencé à avancer, à aller en avant. J'appelle d'autres réunions, il n'est pas là. Pourquoi? On dit, oh, il dit, il y a quelque chose de son père spirituel. Ok, mais il va pas demander aussi la vidéo ou l'audio pour qu'il les regarde. Parce que c'est gratuit. Oh. Audio, vidéo, c'est gratuit. Ok, j'ai appelé deuxième réunion, il n'est pas venu. J'ai appelé telle réunion, il dit qu'il est fauché. Donc, il ne peut pas venir. Hey, est-ce que c'est la même personne qui est venue 8 heures de temps en train de prendre les notes? C'est lui qui dit aujourd'hui qu'il est fauché. Dès que j'ai fermé mes yeux comme ça, ouvrir, j'ai vu une photo de la même personne en Israël. J'ai dit, ah, c'est la personne qui dit qu'il est fauché, qu'il est en Israël. Là. Ah! Ok, oh. Bon, c'est pas grave. Hier, j'ai vu Kut, il est en train de faire convention de fin de l'année. Je t'assure que je t'assure. Wallahi. Je touche ma langue. Yeah. Wallahi. Je n'ai pas compté 6 personnes dans l'église. Je n'ai pas compté 6 personnes. 6 personnes. Tous les chaises devant étaient vides. Et lui-même, il était là. J'ai dit, regarde, instable comme de l'eau, tu n'auras pas la prééminence. Instable comme de l'eau, tu n'auras pas la prééminence. Stable comme une pierre, tu auras la prééminence. Montre-moi quelqu'un qui a la prééminence. Je vais te montrer quelqu'un qui est resté connecté depuis de nombreuses années. La semaine passée, papa parlait. Il était en train de parler du fait que, il dit, quand il a découvert Kenneth Hagener, il partait là-bas jusqu'à la mort de Kenneth Hagener. Chaque année, il dit, une fois même, il est parti à Rema Bible Institute. Et puis, il est parti dans le bookshop, dans la bibliothèque. À la bibliothèque, il regardait les livres. Et puis, il a dit que lui, il ne veut pas acheter les choses de la bibliothèque. Parce que la bibliothèque, c'est pour les gens qui choisissent comme salade. Tu vois, les gens qui choisissent par leur goût. Oh, moi, je veux cette livre parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Moi, je veux cette livre parce qu'il y a photo dedans. Moi, je veux cette livre parce que les titres, c'est intéressant. Il dit, je ne peux pas acheter quelque chose de Kenneth Hagin de la librairie. Je ne peux pas. Il est parti dans leur bureau et demandait, il dit, est-ce qu'il y a, il dit, je veux tout ce que ce monsieur a prêché, vidéo, audio et écrit. Il dit, il a fait ceci parce qu'il ne voulait pas rater quelque chose. Peut-être, il a dit quelque chose quelque part qu'il n'a pas écrit. Peut-être, il y a une vidéo quelque part, il n'y a pas audio de ça. Peut-être, il a écrit quelque chose, mais ce n'est pas dans un livre, mais c'est dans un petit manuel quelque part. C'est-à-dire que tout ce qu'il a jamais écrit dans sa vie, vidéo et audio, je veux. Il dit, fais la liste pour moi, je paie tout ça aujourd'hui. Il dit, il a vidé tout son sac. Il n'est pas la seule personne, j'ai entendu ça. La semaine passée, j'ai entendu au lieu de pour dire exactement la même chose. Tu vois que les gens qui réussissent, les gens qui ont la prééminence, vous allez remarquer qu'ils sont stables comme une pierre, stable. Quand il dit, Dieu m'a dit de te suivre, il ne change pas. Tu le vois, 5 ans, il suit la même personne. 5 ans.
tout ce que la personne prêche, toute vidéo la personne a, tout audio la personne a, tout livre la personne a écrit, toute publication la personne va publier. Aujourd'hui, je peux publier quelque chose sur WhatsApp, personne va commenter. Aujourd'hui, moi, Benny Daganan, je peux publier quelque chose sur WhatsApp, personne va commenter. Je peux mettre photo, je peux mettre quelque chose. Personne même va dire, c'est puissant, powerful, Bishop, on est dedans. Et dernièrement, j'aime faire la commentaire. Et puis, il y a certains amis qui se sont réveillés. Et bien, entre-temps, sur la plateforme, il y a plus que 96 personnes qui sont sur la plateforme. Tu vois toujours les mêmes personnes qui commentent sont les mêmes personnes qui commentent. 5 personnes. Yeah. Mais quand je me souviens de l'histoire de chacun. Que quand les choses étaient en train de s'écrouler sur nous, on était reconnaissants que Dieu a suscité. On m'appelait même pas pasteur, on m'appelait ange. Les gens disaient, oh, voici l'ange que Dieu a envoyé en Côte d'Ivoire. Voici notre ange. Il a sauvé notre ministère, il a sauvé notre vie. Aujourd'hui, je peux parler. Il y a un autre pasteur aussi. Lui, il a juré même devant sa congrégation. Il a juré, il dit, lui là, à partir d'aujourd'hui, il pense plus qu'il a besoin du Saint-Esprit. Il dit que s'il a révérend béni Dag dans sa vie, il n'a plus besoin du Saint-Esprit. Hey! J'ai dit, maintenant, on m'a surclassé des révérends, des anges au Saint-Esprit. Ça, c'est mon catégorie, maintenant, c'est catégorie de Saint-Esprit. Ce même personne est venu dans un programme où j'ai prêché. Il était offensé parce qu'on ne l'a pas bien installé quelque part. Il a pris ses enfants et puis il a quitté le programme. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, même pas un bonjour. Est-ce que quelqu'un peut vivre sans son Saint-Esprit? Ah! Est-ce qu'il est possible que quelqu'un puisse vivre sans son Saint-Esprit? Ce même pasteur dont je parle, il a fait convention la semaine passée. J'ai vu les photos, j'ai dit pitoyable. Look. C'est la fréquence que j'ai vue là. Ça, c'est la fréquence l'année passée. Quand je suis entré dans son ministère, pendant que le ministère était en train de se crûler et était en train de vider, et je suis rentré avec les messages de mon papa, semaine après semaine. Pendant 2 mois, j'ai passé dans son église au moins 4 fois. Je me souviens, le Dieu, il a fait qu'un des rassemblements et j'ai vu les photos. J'ai dit, waouh, voici la restauration. Et je me suis dit, la façon il a commencé là, s'il peut rester comme ça, tu vois, stable comme une pierre, tu auras la prééminence. Impétueux comme de l'eau, tu n'auras pas la prééminence. Ça fait plus qu'un an. Et je vois photo de son église, il n'y a pas bâche dehors. Il n'y a pas nouvelle personne dehors. Il n'y a pas écran dehors. Et c'est le même photo de l'année passée que j'ai vu, que je vois encore cette année. Instable comme de l'eau, tu n'auras pas la prééminence. Les amis, la Bible nous explique la raison pour tout. Regarde-moi aujourd'hui. La semaine passée, j'étais ici. Un pasteur de la France a pris son vol depuis la France, venu en Côte d'Ivoire, loué voiture et un chauffeur et conduit jusqu'à ici, juste pour passer 1 heure avec moi, dormir à Boaké et retourner directement en France le lendemain. Mes témoignages que je vous ai donnés l'année passée, ce ne sont pas mes témoignages cette année. L'année passée, j'ai parlé de haut, j'ai dormi à Noum Hotel, j'ai dormi. Quelques jours passés, j'ai dormi à Sofitel. Pas seulement dormi à Sofitel. Il y avait un cortège devant avec des militaires. Les gens des militaires qui couvrent moitié de leur visage. Ils couvrent moitié de leur visage et leur nez là. Avec le walkie-talkie comme ça. Et puis, il y a un qui est assis comme ça. Et puis, il demande, hé, hey, monsieur, tout comme ça. Et puis. Et puis tu te dis, les gars, mes témoignages de l'année passée ne sont pas les témoignages de cette année. Les témoignages de l'année passée ne sont pas mes témoignages de cette année. Non. Non. Les témoignages sont changés. Les choses sont changées. Mes témoignages sont nouvelles. Nouvelles. Les gens, les personnes qui gèrent les communications avec sont différents. Sont nouvelles, complètement nouvelles. Les appels que je reçois sur mon téléphone sont complètement différents. L'année passée, on était en train de parler des Aïgos cette année. L'année passée, on est en train de parler des Aïgos en France. Il y a Aïgos en France en avril.
troisième semaine d'avril. Donc, si tu as ton passeport, tu es prêt. On va aller en France pour IGOS. Il y a IGOS en France. Tu vois, les gars, je suis en train de dire que si tu peux rester stable, les gars, si tu peux rester stable, si tu peux rester stable, look, j'ai pris ma tablette comme un fusil, hein, j'ai pris ma tablette comme un fusil et je mets ça direct sur toi comme ça, j'ai dit, si tu peux rester stable, si tu peux prêcher le même message, si tu peux rester connecté comme tu as commencé, si tu peux faire la même chose que tu faisais au début, les gars, tu vas réussir. Tu vas réussir. Stable. Mais tu vois, j'ai appris quelque chose. Être stable, ce n'est pas facile. C'est pourquoi tu penses que c'est une petite chose. Parce que être stable, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'aimer la même personne pendant de nombreuses années. Ce n'est pas facile de faire exactement la même chose que tu faisais depuis longtemps. Ce n'est pas facile. Mais voici alors votre combat. Stabilité doit être ton nouveau combat à partir d'aujourd'hui. La stabilité, mon combat. Yeah, la stabilité. Yeah. Si tu es connecté, tu peux même mettre ça, écrire ton nom et puis écrire ton nom et dire hashtag la stabilité, mon combat. La stabilité, mon combat. Yeah, la stabilité, mon combat. C'est ton combat maintenant. C'est ton combat. C'est-à-dire que c'est soit ça ou rien. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de rester stable. Ce n'est pas facile de garder tes yeux sur une seule personne pendant de nombreuses années. Ce n'est pas facile. Tu vois Bishop Dag, après Kenneth Hagin, Yonggi Cho. Même chose, il est resté connecté à Yonggi Cho jusqu'à la mort de Yonggi Cho. Quelqu'un qui est venu voir Yonggi Cho, Yonggi Cho l'a regardé de loin comme ça, on lui avait dit, informé qu'il veut te voir. Il a regardé comme ça et puis il a dit quelque chose à la personne et puis il a bougé sa tête. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas voir Bishop Dag. La deuxième fois, Bishop Dag est parti, il voulait lui saluer. Il a retiré sa main comme ça. Et puis, il a levé sa main comme ça. Aujourd'hui, à son deuil, c'est Bishop Dag. Il y a deux personnes qui ont été sélectionnées pour prêcher. Bishop Dag fut un. Un an après son deuil, il y a Bishop Dag qui est invité comme prédicateur principal. Qu'est-ce qui a fait que la personne qu'on ne voulait pas secouer sa main est devenue la personne qu'on... Il y a des fois, Yonggi Cho peut inviter Bishop Dag de prendre le vol lundi. Jouer au golf avec lui. Il va jouer au golf avec Yonggi Cho mardi après-midi. Et puis, mercredi matin, il prend vol encore pour rentrer au Ghana. Il ne voyage pas pour prêcher. Juste jouer au golf et puis il revient. La personne qu'on ne voulait pas secouer sa main, c'est la personne qu'on invite maintenant pour jouer au golf. Stabilité. Si tu peux rester. Si tu peux rester. Et si on me demande, c'est quoi le problème qui a affecté chacun de nous, je vais dire le problème de stabilité. Tu n'arrives pas à garder un seul œil sur une seule personne pendant de longs moments pour garder tes yeux sur la personne et pour décider que c'est lui ou rien. Je vais avec lui. Tout, partout où il prêche, je vais écouter ce qu'il va dire là-bas. Je vais appliquer tout de suite ce qu'il va dire. Toute recommandation qu'il va donner. Tout ce qu'il va dire, on va faire, je serai dedans. Si je peux être là, je serai là. Je ne peux pas être là, on doit me chercher la vidéo. On doit me chercher l'audio. Je dois écouter. Parce que la même personne qui m'a fait sortir de la fosse est la même personne qui va me placer sur la montagne. C'est comme ça que ça marche. Instable, impétueux, bouillonnante, bouillonnante comme de l'eau. Tu n'auras pas la prééminence. Mais pour toi, je déclare les amis, je déclare par la puissance du Saint-Esprit, stable comme une pierre, stable comme une pierre. Stable comme une pierre, stable comme une pierre, stable, stable comme une pierre, stable comme une pierre. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher réunion de famille. Tu es là. Je me demande, est-ce que tu seras toujours là l'année prochaine en décembre, réunion de famille? En 2025, réunion de famille, est-ce que tu seras toujours là? Si tu entends que j'ai quelque chose à dire quelque part, est-ce que tu seras là? Aujourd'hui, nous avons Church Growth Camp en 3 janvier. Et j'écoute les réponses de mes filles. Mes filles sont en train de faire des appels. On fait des appels. On appelle celui qui dit, bon, j'ai une retraite. Toi, tu as retraite. Hey! Toi, tu as retraite aujourd'hui. Toi, tu as retraite spirituelle le 3 janvier. Tu as retraite spirituelle. Ah bon? Il y a 2 ans passés, tu m'avais dit que quand des janvier, là, c'est ton retraite spirituelle, hein? C'est là-bas que tu prends décision de ton ministère.
Aujourd'hui, là, il y a un autre endroit où tu prends une décision de ton ministère. Je ne dis pas que si Dieu te dit de faire quelque chose, il ne faut pas faire. Mais je dis que il ne faut pas dire que je suis avec toi pour la vie. Et puis, tu retournes encore un an seulement après pour dire qu'il y a quelque chose d'autre. C'est que tu n'es pas quelqu'un qui est stable à l'intérieur de toi. Tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable. Yeah. Tu n'es pas stable. Il y a une explication pour... il y a une raison. Il y a une explication pour toute chose. Il n'y a rien qui devient rien sans rien. Il y a une explication pour toute chose. Si tu vois quelqu'un qui a toute explication et indication, il doit réussir et il ne réussit pas. Il y a une explication. Instable. Il est instable. Regardez bien. Il ne peut pas être connecté pendant longtemps. Il ne peut pas être assis pendant longtemps. On ne peut pas l'appeler. Hé, hey, ton maître t'appelle, viens. Ton coach t'appelle, viens. Viens. Viens s'asseoir avec ton épouse. Assieds-toi. Prends le cahier. Fais des notes. Et puis va appliquer. On ne peut pas. On ne peut pas. Alors j'ai prié pour toi, les amis. Et pour toute personne qui est connectée aujourd'hui, que tu vas prendre la décision que tu seras stable. Si toi-même tu dis que Dieu t'a dit que tu dois m'écouter, alors fais ce que Dieu t'a dit de faire. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Il ne faut pas appeler quelqu'un ton ange. Et puis demain, il t'appelle, viens s'asseoir, tu dis que tu as un programme. J'ai pensé que tu attendais son programme avant de faire tes programmes. Depuis quand? Le 38 est devenu 150 maintenant. Donc, tu fais programme. Tu invites les gens. Il y a des gens qui m'avaient dit, chaque année, mon église aura programme avec toi. Chaque année, mon église. Il dit, c'est quand là qu'on a commencé là. On va le faire chaque année avec ton église. Il dit, chaque année, révérend, tu vas prêcher ici. On sera avec toi. 2023 est en train de finir. Fauche, look. 2023 est en train de finir. Mais tu vois la même personne qui disait, oh, tu vois, pour inviter le révérend, ça coûte cher. La même personne est invité quelqu'un supérieur que le révérend. Il a invité quelqu'un supérieur que le révérend, lui mettre dans un hôtel plus cher, lui donner des fleurs, lui donner... Les amis pasteurs, on a vraiment un boulot à faire. La stabilité, c'est ton combat. C'est pourquoi je te dis, les amis, ce n'est pas facile. Parce que moi, j'ai compris que, même pour prêcher le même message, tu sais que c'est la loyauté que je suis en train de prêcher. C'est la loyauté même que je suis en train de prêcher. Je suis en train de prêcher loyauté. Mais parce que je n'ai pas utilisé le mot loyauté là, tu n'arrives pas à reconnaître que j'ai prêché exactement le même message pendant de nombreuses années. Que je peux même commencer loyauté et déloyauté à partir de jeunesse. Regarde, je suis sur jeunesse en train de prêcher loyauté et déloyauté. Les amis, donc si je te dis que je serai en France pour IGOS. Quand tu vois la photo, tu vois que, les amis, les choses sont en train de monter. Moi qui te parle, je n'ai pas diminué dans la vie. Je n'ai pas diminué dans la vie. En fait, je ne comprends pas. Si la personne qui te forme, sa vie n'évolue pas, il est en train de diminuer. Je peux comprendre votre manque de loyauté. Mais voici la personne que tu suis. Sa vie fait que monter. Tous les jours, quand il a conférence, il est quelqu'un qui n'est pas plus élevé. Ses exemples sont en train de monter. Son témoignage est en train de monter. Sa grâce est en train de monter. Les gens qu'il fréquente sont en train de monter. Alors, pourquoi tu ne peux pas rester connecté à la même personne jusqu'à ce que toi aussi, tu vas sentir que tu es en train de monter dans ta vie? Montre-moi quelqu'un qui a la prééminence. Je vais te montrer quelqu'un qui est stable comme une pierre. Montre-moi quelqu'un par toute indication qu'il devrait réussir, mais il ne réussit pas. Je vais te montrer quelqu'un qui n'arrive pas à être attaché à quelque chose pendant longtemps. Mais j'ai prié pour toi, les amis. Je partage cette grâce avec toi. Par le schéma samati qui me liando roko samatamando. Ou marankata nele mesemiato. 2023 est déjà fini. On est en train de fermer notre valise déjà pour rentrer en 2024. Mais j'ai prié pour chaque pasteur. J'ai prié pour chaque ami. J'ai prié pour chaque personne qui m'écoute aujourd'hui. Que me lousse andare bataka samatande. Que la façon dont tu as commencé, que tu restes comme ça. Reçois la grâce aujourd'hui pour monter
monter en rang, monter en dignité, monter en force, monter en gloire, monter en grâce, monter en miséricorde, monter en témoignage, monter financièrement, monter en témoignage. In the mighty name of Jesus, j'ai prié pour toi que tu reçois la grâce de rester stable, attaché. Que ce que Dieu t'a demandé de faire, que tu vas le faire. Ce qu'il t'a demandé de prêcher, tu vas prêcher exactement la même chose. À qui il t'a demandé d'être attaché, que tu seras là, tu vas faire. Tu vas faire ce qu'il t'a demandé de faire, stable comme une pierre, tu auras la prééminence. J'ai dit l'année 2024, l'année de votre prééminence. Tu vas prendre photo avec le maire de la ville. Tu vas signer des documents avec le maire de la ville. Ils vont t'inviter dans un hôtel privé pour des réunions privées sur la ville. Quand la liste sera faite de ceux qui sont prééminents, ton nom fera partie de cette liste. In the mighty name of Jesus, I pray for you, my brother. I pray for you. I pray for you. I pray for you, my sister. Je prie pour toi, ma soeur. Je prie pour toi, mon frère, que tu vas prendre la stabilité vraiment comme ton combat, que tu vas le porter, tu vas l'écrire sur ton cœur, tu vas l'écrire dans ta tête, tu vas l'écrire sur le front de ta tête, et tu vas rester stable à ce que Dieu t'a demandé. Garder ton œil fixé à l'objectif que Dieu t'a donné. Il t'a donné 1000 membres. Jusqu'à ce que tu as traversé 1000, on ne relente pas. Jusqu'à ce qu'on a vu 1000 personnes, on ne change pas. On ne change pas la gamme. On ne change pas l'équipe. On ne change pas le chemin. On reste focalisé sur les cibles. On va, on travaille. On fait ce qu'on doit la faire. Jusqu'à ce que nous avons atteint l'objectif. Je prie pour toi que tout ce que tu n'as pas vu en 2023, que Dieu te donne la grâce de le voir en 2024. 2024 sera ton année de prééminence. J'annonce pour toute personne de la famille la prééminence. J'annonce pour toute personne dans la famille DHM mondiale, Karabatalaba. Depuis la France jusqu'à le Gabon, Cameroun, les RDC, parmi toutes les amis qui sont connectés, j'annonce pour toi la prééminence. Reçois supériorité en dignité, reçois supériorité en force, reçois supériorité en rang et en place, in the mighty name of Jesus, que Dieu te donne la grâce à rester stable. Oh, stable. You know, un jour, j'étais en train de penser à l'un de mes fils. Je voulais faire une organisation dans mon équipe et je voulais lui placer à un rang supérieur. Et puis un jour, si je n'étais pas de quelqu'un sur laquelle tu peux compter pour longtemps. Et puis un jour, il s'est déconnecté pendant juste quelques jours. Il s'est déconnecté. Le jour, il s'est déconnecté et réattaché. Donc, la promotion était sous ma langue comme ça. Je l'ai retenu. Et on a recommencé encore à zéro. C'est là que j'ai compris que, hey, être stable, c'est pas... Look, si tu comprends vraiment loyauté, hein, tu ne vas pas blaguer avec ça. Dieu n'a pas de recueillement pour promotion. Les amis, écoute-moi. Dieu n'a pas de recueillement pour promotion. Dieu n'a pas 3 recueillements pour promotion. Dieu n'a pas 5 recueillements pour promotion, comme le salut. Il y a une seule, la Bible dit qu'il y a un seul chemin par lequel nous serons sauvés. Le nom Jésus-Christ. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4 portes, il n'y a pas 5. Il y a un seul salut, sozo, soterra, Jésus-Christ. De la même façon, promotion, il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4. Il n'y a pas 4. Oh, kasatandali masotolondo. Oh, randa la mala, 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 mala. Oh, karatana. Rokata mala masuto. No, 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 ma santinyama. Ikarabalaba. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 2, il n'y a pas 2. Parce que tu vois, en Luc chapitre 19, quand le maître voulait promouvoir un commerçant au rang de gouverneur. Luc 19, tu vois, il dit au premier, le verset 17, il dit, c'est bien bon serviteur, parce que tu as été fidèle. Tu vois, il n'a pas de, les amis, est-ce que, hey, tu blagues avec Dieu, hein? Dieu n'a pas de recueillement, il n'a pas 3, il n'a pas 5. Il dit, tu t'es montré fidèle, il dit, parce que tu as été, le maître vient de donner explication. Il vient de donner l'explication pour pourquoi il va promouvoir un commerçant au rang de gouverneur.
gouverneur sur 10 villes. Il dit, parce que tu as été fidèle en peu de choses, et autorité sur 10 villes. Regarde les amis, ça c'est verset biblique. Ça c'est verset biblique. Dieu, fidélité, c'est pas petite chose, hein. Loyauté, stabilité, c'est pas petite chose, les gars. J'ai envie de pleurer même pour, ah, les amis. C'est pas petite chose, hein, les gars. C'est pas petite chose. C'est pas petite chose. C'est pas petite chose. Il n'a pas deux, il n'a pas trois, il n'a pas quatre. Il a un seul recueillement. Du reste, ce qu'on demande de chaque dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Une seule chose. Paul a dit, j'ai béni Dieu qu'il m'a jugé fidèle de me mettre dans le ministère. Qu'il m'a compté digne d'être dans le ministère parce qu'il m'a jugé fidèle. Regarde. Il dit, j'ai béni Dieu qui m'a mis dans le ministère. Il m'a jugé digne d'être mis dans le ministère. Pourquoi? Parce qu'il m'a trouvé fidèle. Il y a une seule fidélité. It's not a joke. It is not a joke. It's not a joke. Et je t'ai mis ça par te donner le verset, Proverbes chapitre 28, verset 20. Proverbes chapitre 28, verset 20, c'est l'exact opposé de Genèse chapitre 49. Genèse 49, le verset 4. Parce que le Proverbes chapitre 28, verset 20, regarde. Il dit, l'homme loyal sera comblé de bénédictions. Look. Donc, l'homme fidèle abondera en bénédiction. L'homme fidèle. Mais celui qui hâte s'enrichir ne sera pas innocent. Il hâte. Aujourd'hui, on peut appeler, on va dire, hey les gars, il y a Pastor Professional Pastors Academy. Oh, tu as 150 personnes dont tu as programme aujourd'hui. Hey les gars. Que Dieu te donne la stabilité. Que Dieu te donne la stabilité. À travers cette parole que je suis en train de lancer, que quelqu'un ici puisse prendre la décision. Tu vois, des fois, tu te rappelles de quelque chose avant de voyager, puis tu prends quelque chose pour mettre dans la valise. N'est-ce pas? Tu es en train de voyager, puis tu te souviens que hey, tu n'as pas pris le carnet de vaccination 4 jaunes. Donc, tu prends ça, tu mets dans ton sac. À cause de ce message que je suis en train de prêcher ce matin, que tu puisses prendre stabilité et mettre dans ton sac pour traverser l'année 2024 avec. Comme ça, tu auras la prééminence. In the mighty name of Jesus. Alors que Dieu te bénisse les amis. Et merci d'être connecté encore. Reçois double portion de stabilité. Que cette mot soit clé dans ton cœur. Que ça soit important pour toi dans l'année 2024. La stabilité, ton combat. La stabilité, ton combat. Ne méprise pas ce que cela veut dire, de rester attaché, connecté à la même chose et la même personne pendant de nombreuses années. Ne méprisez pas ça. Tu méprises ça, tu méprises ton avenir. Tu joues avec ça, tu joues avec ton avenir. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse, les amis. Et je pense que la prochaine fois qu'on sera encore ensemble, c'est le 3 janvier à Liberty World. Et j'ai prié vraiment que tu seras là avec ton épouse. Mais si pour une raison ou l'autre ton épouse ne peut pas être là, sûrement je crois que tu seras là. Fais le nécessaire. Et pour les amis qui se sont inscrits, envoyez mon bureau même un petit rien. Tu peux envoyer 20 000, tout ce que tu vas envoyer. On a un enveloppe pour chacun de vous. On a un enveloppe où on met ton argent que tu envoies et on paye déjà la chambre. Parce que tout ce que tu es en train de s'occuper avec cette année, c'est ta chambre. Je m'occupe avec tout le reste. Je m'occupe avec la restauration par la grâce de Dieu. Et nous avons des magnifiques cadeaux pour vous. Nous avons encore des magnifiques cadeaux pour vous. Alors, venez seulement une fois encore. Je n'ai pas changé. Ça fait 5 ans qu'on fait Church Growth Camp en janvier. En janvier encore, je suis encore là. Encore cette année, loin et sa méga église. L'onction et la méga église. Donc, j'espère te trouver en 2024, en 3 janvier, et on va passer encore les magnifiques moments. S'il vous plaît, si tu t'es déjà inscrit, envoyez dès aujourd'hui, demain déjà, envoyez quelque chose pour qu'on peut déjà mettre ça sur ton compte et payer déjà la chambre pour toi. Il y a beaucoup de monde, il y a des monde qui vient partout. Si tu ne payes pas la chambre, tu ne vas pas trouver une place à Liberty World. Si tu ne fais pas attention, on doit te mettre dans un hôtel loin où tu vas faire la navette pour venir. D'accord? Alors, que Dieu te bénisse. Et n'oubliez pas que
Le période de janvier en Bouakis, il fait vraiment frais. Il fait frais la nuit et le matin. D'accord? Donc, il faut avoir une balance des habits qui va t'aider à traverser les 3 jours de camp très rigoureux que nous allons passer par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. La stabilité, ton combat. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour l'opportunité d'écouter cette parole qui nous fait du bien. Que la grâce de stabilité soit donnée à chacun de nous. En lui se trouve la lumière. Et la lumière, c'est la vie des hommes. Seigneur, en lui, là, c'est qui? C'est la parole. Alors, à travers cette parole, qu'une lumière soit trouvée. Et de cette lumière, la vie de chaque pasteur qui m'a écouté aujourd'hui. Merci pour la stabilité, merci pour la décision de rester encore plus stable, plus concentré et plus attaché que jamais au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et puis, je vais laisser la place pour pasteur Akin, Abel, le prophète Abel Akin pour finir le culte de famille. Que Dieu vous bénisse.